faire la présentation de ce projet, Laurent, s'il te plaît. Comme ça, parce que j'ai trop de lumière. C'est bon. Donc, mon projet était de faire un... de pouvoir contrôler à distance des modules de lumière, de chauffage, tout ce qu'on peut contrôler dans la maison. Donc, c'est le projet domotique. Et donc, ma partie consistait à créer un serveur web et une application, enfin, ou une interface web qu'on voit ici. L'interface web où je peux contrôler, là on voit trois lampes, donc les lampes du salon, de la chambre et de la cuisine. Donc elles sont représentées par les trois LED ici, qui sont éteintes. Et donc là, on a ce qu'on appelle une carte Raspberry Pi, qui est un micro-ordinateur, donc je ne suis pas connecté avec cette unité centrale, je suis vraiment que connecté ici. Donc là, il y a le port pour l'écran, ici il y a le câble Ethernet pour se connecter à Internet, qui est relié à un routeur Wi-Fi pour pouvoir avoir accès au contrôle des applications à distance. Ici, on a les câbles USB pour en gros connecter la souris et le clavier. Et ici, on voit pas très bien, mais c'est une carte SD, c'est en fait la mémoire, le disque dur de la carte Raspberry Pi, où il y a installé le système d'exploitation Raspbian, qui est un système sous Linux, et où il y a tout installé, le serveur, enfin vraiment tout qui tourne sous donc MySQL, la base de données, pardon, et donc le serveur c'est sous Apache 2. C'est super simple parce que tout est relié, donc en fait l'ordre est là, et bien avec le routeur Wi-Fi, je peux contrôler là à distance. Ici c'est la même application qu'on a, même interface web. Et là, en appuyant simplement, vous allez voir qu'elle s'allume bien. Hop. 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 Pardon, c'est juste le tactile qui est mauvais. Hop. Et le fameux strip de l'email qui fonctionne aussi. Parfait. Merci. Ouais. PHP 5, etc. Ici, on a les sorties. Donc là, il y a une nappe qui est utilisé pour pouvoir relier avec des jumpers, des fils de connexion, les lampes, pour pouvoir les contrôler. Donc, je vais vous faire une petite présentation. Donc là, je vais pouvoir... ici, on voit qu'elles sont toutes éteintes. Elles sont éteintes, et là, il y a l'état éteint. Et ici, je vais cliquer, et vous allez voir le résultat directement, qui est que la lampe s'est allumée. Donc, je vais faire pour les trois autres. Et je peux les rééteindre.